فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour, que la paix soit sur vous. La vie est pleine d'épreuves, pleine de difficultés, pleine de souffrances. Nous le savons. Nous, depuis le départ, ça commence d'ailleurs par la souffrance avec la naissance, et puis la souffrance, la difficulté va nous accompagner jusqu'à la mort. C'est la difficulté de la maladie, c'est la difficulté de n'importe quelle souffrance, parfois la pauvreté, la séparation, puis effectivement le fait de la vieillesse et le fait de la disparition. Cette vie-là est une vie de souffrance et nous devons trouver, parce que c'est une des exigences de la spiritualité, de l'approfondissement de notre rapport à nous-mêmes et de notre rapport au monde, nous devons trouver le courage de faire face à l'épreuve, de faire face à la souffrance, de faire face à la maladie et de faire face à tout ce qui peut nous atteindre, comme si finalement l'épreuve était le moyen par lequel Dieu nous rappelait les limites de nos forces, nos fragilités, nos besoins, et qu'il nous rappelait. Parfois il nous rappelle par le livre, parfois il nous rappelle par la vie, par les épreuves de la vie. L'épreuve, dans ce sens-là, et le courage que nous devons trouver en nous, c'est véritablement le questionnement intime, personnel, de trouver la force de faire face à cette épreuve. Le problème que nous avons avec beaucoup de nos sœurs et de nos frères, c'est de réduire l'épreuve à l'expression de la culpabilité. Alors, on a d'anciennes traditions, le péché originel dans le christianisme qui voyait dans l'épreuve la réponse de la faute, et même que certains hadiths, lus littéralement et mal compris, associent l'épreuve personnelle et collective à la faute. Or, dans la tradition musulmane, c'est exactement le contraire, ce que nous trouvons. C'est qu'en fait, Dieu, par l'épreuve, appelle et il aime ceux qu'il met à l'épreuve. D'ailleurs, ceux qui vivent les plus grandes épreuves, ce sont les messagers et les prophètes. Et donc, de ce point de vue, on se rend compte qu'il ne faut pas associer l'épreuve à la faute, comme certains le font pour juger quelqu'un qui vivrait une difficulté. C'est plutôt une possibilité pour son cœur, pour sa conscience de s'élever. Et ça va tellement loin que vous avez le hadith du prophète qui dit « إِذْ أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا » Quand Dieu veut du bien à un être humain, une femme ou un homme, il fait en sorte que sa peine, que ce qui va être son épreuve, apparaissent plus vite pendant cette vie, pendant la vie d'ici-bas, pour pas qu'il ne soit jugé, ou pas qu'il ne fasse face à la difficulté d'être jugé dans de l'au-delà. Cela veut dire que contrairement à l'illusion d'optique des gens qui voient vos épreuves aujourd'hui comme la preuve de votre culpabilité, il se pourrait que votre épreuve aujourd'hui soit l'espérance de votre innocence demain, parce que vous auriez traversé l'épreuve ici-bas. Et quand vous voyez les choses de cette façon-là, vous laissez tous les jugements des hommes et vous revenez à l'intimité. Et cette force-là, ce courage-là de faire face à l'épreuve, c'est ce qui vous grandit et c'est ce qui vous rend noble à l'intérieur comme devant les hommes et respectable toujours. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. «